Scène de joie dans la permanence Bastiès de Péragord-Siga. Avec plus de 45% des suffrages, la liste nationaliste menée par Gilles Siméon y écrase ce premier tour. À droite, Jean-Martin Mondolone y distance de 2 points sa concurrente Valérie Bodzi. Faible résultat pour La République En Marche, Jean-Charles Orsout y obtient 11% des voix. Les 3 autres listes ne se qualifient pas pour le second tour. Malgré tout, les nationalistes de Corinne Front et progressent de 4 points par rapport aux dernières territoriales. Autre fait notable, pour la première fois depuis 1982, les communistes ne siégeront pas à l'Assemblée. De son côté, le Front National atteint juste les 3%. Dans le détail, le raz-de-marée nationaliste s'exprime dans les grandes villes où Gilles Siméon se place en tête. 2 exceptions, Guy Zonaccia où Jean-Martin Mondolone est vainqueur, idem pour Jean-Charles Orsucci dans son fief de Bonifacio. À Ajaccio, Valérie Bodzi arrive en 2e position alors que Bastia voit Anda Perdoumane à 7 places. Un bémol, le taux d'abstention record, près de la moitié des votants ne se sont pas rendus aux urnes.